Romilly est le sanctuaire de nos souvenirs. Je t'attendrai dans notre lieu à nous. La vérité te délivrera de tes rêves. Isa? C'est Marie. Ouais, je viens de recevoir une lettre. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Ouais, j'ai vraiment besoin de te parler. Ok, merci. Salut Isa. Tiens, assieds-toi. Alors, c'est quoi cette lettre dont tu m'as parlé? Tiens, regarde. C'était avec le courrier. Écoute Marie, c'est quelqu'un qui te fait une mauvaise blague. Laura est morte il y a 3 ans suite à sa maladie. Tu le sais. Mais c'est son écriture. Regarde. Cette phrase. La vérité te délivrera de tes rêves. Depuis que Laura est partie, je fais toujours le même cauchemar. Je me réveille toujours à la même heure. J'y comprends rien. Mais c'est impossible. Les morts n'écrivent pas. Écoute, Marie. Laura est morte. Tu as raison. C'est sans doute une mauvaise blague. Bon, je dois te laisser. Tu m'appelles à n'importe quelle heure, tu n'hésites pas.
Laura, c'est toi qui m'as écrit cette lettre. Où est notre lieu à nous? La ville entière regorge de nos souvenirs. Pourquoi je fais toujours le même cauchemar? Je t'en prie, aide-moi. Je continue à vivre à travers tes cauchemars pour que tu te souviennes. L'école est la réponse. Laura! Laura?
Tu as retrouvé notre endroit de jeu. Tu as le droit à ta récompense. La vérité sur ce qui s'est passé le jour où tu as perdu la mémoire. Et ta fille, la fille. Je t'ai vu arriver dans la chambre, l'air triste. Je t'ai regardé, mais tu n'y as même pas prêté attention. Puis, tu m'as dit que tout irait mieux. Je t'aimais même si j'étais malade. Tu ne m'as même pas demandé si je voulais mourir. Tu n'as pensé qu'à toi. J'aimais être avec toi. J'étais heureuse et toi, tu nous as tués. Tout ça pour oublier ton geste. Pardonne-moi.